Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici l'ouvre ta boîte du jeu Wild Space. Alors c'est parti, on regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette jolie boîte. On ouvre. Alors on a tout de suite la règle du jeu, qui est tout en français, qui nous présente eh bien, le matériel avec les différentes icônes, après sa mise en place, le déroulement de la partie, puis un tour de jeu avec les exemples. C'est un classique maintenant, les icônes ont l'air assez lisibles. Il y a quand même quelques pages, la fin du tour et la fin de partie. Et puis ensuite, à la fin, vous avez l'explication du mode solo et au dos, eh bien, le récapitulatif des icônes. Comme ça, quand vous jouez, hop, vous pouvez le laisser à côté de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite à l'intérieur? On a un sachet avec plein de petits pions en bois, mais ce ne sont pas des pions, ce sont des navettes. Alors, je vais en prendre un. Plutôt une de chaque couleur. On a violet, jaune, vert, bleu et rouge. Parce que c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs. Donc les voici, les petites navettes en bois. Voilà, on les voit de plus près. Et on en a plusieurs chacun. Alors combien on en a chacun? Moi je vois 1, 2, 3, 4. On a 5 navettes par joueur dans les couleurs. Vous voyez, on a un petit découpage qui est très sympa. Donc ça, c'est pour toutes les navettes du jeu. Ensuite, on a plein de cartes. Alors, on va regarder. Alors, combien on a de cartes? Je vais jeter un œil à la règle. Il me dit 108 cartes équipage. Alors, voici le dos des cartes. Je pense qu'il va être identique dans les deux paquets. Et ensuite, eh bien, on a plein de personnages et plein d'icônes. Alors, celle-ci, on a l'impression que c'est la même, mais non, les icônes en bas à gauche diffèrent. Et après, eh bien, on a un personnage, là, fond vert, fond violet, fond jaune, fond orange. Ouais, c'est différentes couleurs, donc je ne sais pas. Peut-être que ça correspond aux couleurs des joueurs, mais après, on a des semi-couleurs et on a plein d'icônes. Donc, vous voyez, il y a plein de choses avec des personnages quand même qui peuvent rappeler certains films peut-être de science-fiction. On s'attarde un petit peu sur les illustrations parce que je ne connais pas les règles du jeu, donc je ne sais pas du tout à quoi correspondent les icônes. Voilà, un autre personnage, un ours un petit peu, déjà qui a un joli manteau, qui est sérieux quand même. Un petit poulpe, voilà, pour passer quelques images. Un petit rhino, voilà, un petit singe. Voilà, et avec les couleurs à chaque fois qui diffèrent. Et on a un deuxième paquet, et oui, parce que 108 cartes, ça en fait pas mal. Alors, pendant que je déballe, à savoir qu'il y a 6 capitaines. Alors, on ne les a pas encore vus, les capitaines. Là, ce que je viens de vous montrer, apparemment, ça, c'est un spécialiste. Voilà. Dedans, il y a des émissaires, mais ils avaient une icône spéciale. Voilà. Et là, par contre, je pense que c'est un capitaine plutôt, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, non plus. C'est plutôt les émissaires. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Eh bien oui, ça c'est les émissaires. Alors au dos, on a le même dos. Et voilà, ils n'ont pas les mêmes actions, mais on retrouve bien les personnages qu'on avait tout à l'heure. On continue ici. Alors là, par contre, c'est les robots. Et les robots, ben, il y en a 18. Alors, regardons un petit peu à quoi ressemblent ces robots. Là aussi, ils sont avec différentes couleurs. Et on a différents robots. Voilà. De différentes formes. Voilà, et là, on retrouve, voilà, ben là, c'est les capitaines. Donc, il y en a 6, un capitaine, 2 capitaines, 3, 4, 5 et 6, les capitaines. Alors, ça, c'est des cartes planète hostile, c'est pour le mode solo. Voilà, alors, je ne le sais pas, mais regardez, je triche, c'est marqué ici. Et voilà, comme ça, je présente un petit peu le matériel sans non plus connaître les règles. Et les cartes avec le mode solo, eh bien, ont un dos qui est différent. Alors, le dos correspond aux planches derrière. Et là, tout ce que je vous ai montré a le même dos, sauf, bien évidemment, nos fameux 6 capitaines qui, eux, ont ce dos là. Donc, comme ça, on ne pourra pas les confondre. Bon, ça fait quand même pas mal de cartes. On a aussi
un bloc pour pouvoir eh bien, compter ses points en fin de partie, des petits sachets. On a également des petites médailles en carton épais. Alors, ça ressemble, à mon avis, ça se tient dans le sens et ça ressemble aux médailles des capitaines. Et au dos, on a la même chose. Et à l'intérieur, eh bien, à l'intérieur, on a des planètes. Alors, il y a combien il y a de planètes? Donc, celle-ci, avec ce dessin un peu jungle et ces sortes de fleurs bizarres, ben, j'en vois trois. Une, deux, trois. Alors, est-ce qu'elles sont identiques? Non. À chaque fois, vous voyez, elles ont des icônes différentes. Et les planètes en deux parties. Et au dos, eh bien, voilà le dos des planètes. Donc, ici, on a trois fois le dessin avec les champignons. Là, on a ces icônes. Là, ces icônes. Et là, ces icônes. Voilà, et pareil, là on a le dos. Alors, c'est pas la même valeur. Les vertes sont à 3, les champignons sont à 6. Ça sera peut-être des planètes sur lesquelles il faudra envoyer des personnages. Et si on remplit les planètes avec les deux personnages, peut-être qu'on marquera le point des planètes. Je ne sais pas. Alors, voici ici deux décors verts avec les icônes suivantes. Et elles, si on les tourne, c'est à 9. Et voici les deux dernières planètes. Avec le dos comme ceci, des illustrations très, très modernes. Eh bien, écoutez, voilà, chers amis, pour le matériel du jeu Wild Space. Alors, bien évidemment, comme d'habitude, il va falloir lire les règles et surtout y jouer. En attendant, je vous dis à très vite chez Tartampion. Et surtout, n'oubliez pas, amusez-vous bien !